j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, non pas toute seule, mais avec ma petite Azuki. Et donc aujourd'hui je vais tester l'intelligence de mon chat. C'est une vidéo que j'ai vue à l'origine sur la chaîne de Squeezie, qui a fait ce test avec son Shiba Inu. Et depuis que j'ai vu cette vidéo, j'avais très très envie de refaire la même chose avec mon chat, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est un test qu'il a trouvé sur WikiHow, sauf que moi je vais essayer de faire la même chose, mais avec mon chat. J'ai très très hâte. Azuki est en train de regarder un papillon, donc j'espère qu'elle va être avec nous dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si jamais vous voulez que je vous fasse plus de vidéos avec mes chats, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Et c'est parti. Azuki, t'es prêt? Viens mon chat. Allez, c'est parti. Alors partie 1, test d'intelligence. Jeter une serviette sur la tête du chat. Jetez-la sur la tête du chien pour le recouvrir complètement. En combien de temps le chien peut se libérer? Oui ma chérie, oui oui, t'as vu qu'il y avait des croquettes là. Photo ceci étant. Oh, je sais pas me servir de cette... Prête Azuki? C'est bien. Et hop là. Ah bah j'ai même pas eu le temps de démarrer le chronomètre. T'es trop forte. 3, 4. Oh là là mon pauvre chat. Elle recule, elle recule, elle recule, elle recule. Oui, en 10 secondes. C'est bien mon amour. Cachez une friandise sous la serviette, montrez la friandise au chien, posez-la au sol pendant que le chien la regarde, recouvrez la serviette. Là? Non, non. Elle la sent, elle la sent. Il faut soulever. Vas-y. On va recommencer là et je ferme. Allez, elle est là, regarde, là. Non, 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 t'as pas le droit de tricher. Elle est là, attends, mais non. Regarde, elle est là. Voilà, vas-y. Elle n'y arrive pas. Vas-y. Allez, allez. Viens me voir. Pour ce test, vous avez besoin d'une ouverture près du sol que le chien peut atteindre avec ses pattes. Le canapé peut faire l'affaire, mais vous pouvez aussi fabriquer un tas de livres. Ok. Je pense que c'est pas mal. Azuki, t'es prête? Moi, je suis pas prête. Regarde. Là. Elle est là. C'est parti. Elle est là. Elle est juste en dessous. Voilà, elle est là. Elle est... Azuki. On réessaie une dernière fois? Allez, vas-y, je te la mets plus loin cette fois. Hein. Elle est vraiment très très loin, elle doit mettre toute sa patte. Azuki? T'es trop forte, c'est bien. Apprenez à votre chien à trouver une friandise cachée. Mettez une friandise sous une coupelle en plastique et dites-lui de la trouver. Soulevez la coupelle pour montrer au chien où elle se trouve. Du coup, là, j'ai un petit doute. Regardez la vidéo de Squeezie, c'est plus simple. Le test suivant est conçu pour éprouver la mémoire du chien et non pas ses talents pour résoudre un problème. Sans moi. Ok, bravo. Ok, j'ai compris. Donc là, on retire ça, on n'a plus besoin de tout ça. Regarde, là. Regarde, je la pose. Hop. Elle est trop forte. On réessaye. Il y a la friandise et je cache. Allez, allez, allez. La vérité. Donc maintenant, testez la mémoire du chien, posez 3 coupelles en plastique à l'envers et au sol, mettez une friandise sous l'une d'elles pendant que le chien vous observe, faites sortir le chien de la pièce 30 secondes, puis revenez. 30 cm à mettre dans celui-là. Tu l'as vu? Ok. Maintenant, je vais partir avec elle. Viens. Elle a complètement oublié.
c'est ça ma chérie. Ah oui, c'est bien. En fait, comme il y a des petits trous au fond des godets, je pense que c'est pour ça qu'elle a réussi. Regarde, hop, elle est là, elle est là. En fait, je pense qu'elle sent à l'odeur. Elle la sent à travers, ma oui, c'est ça. C'est bien, mon chatou, t'es un bon chat. C'est bien, mon chat, c'est bien. Bon, bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je crois qu'on peut tous dire qu'Azuki est trop trop forte. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo qui change un petit peu vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la filmer et j'espère que je vous en referai encore d'autres avec mes petits chats. Alors, j'ai choisi Azuki exprès parce que de mes trois chats, c'est celle qui est, je dirais, la plus intelligente. En fait, elle est hyper forte depuis qu'elle est toute petite. Et attendez, je vais vous montrer un tour que je lui ai appris quand elle était toute petite. Azuki, assise. C'est bien, mon chat. J'ai vu qu'on pouvait apprendre à un chat à lever la patte. Donc j'ai... Donc j'aimerais vraiment lui apprendre ça. Et si vous connaissez d'autres tours que vous faites à vos chats, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, j'essaierai peut-être en live d'apprendre un petit tour à mon chat. Regardez, je vais vous montrer que c'est pas de la chance. Azuki, assise. Ah, c'est bien, mon chat. Enfin voilà, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très vite. C'est bien, mon chat. T'as été gentil. Oh oui, c'est bien, mon amour. C'est bien, mon chat.